Ortega qui va bientôt donner le coup d'envoi de ce match. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche. Tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu d'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. On suivra bien sûr Cristiano Ronaldo, que tout le monde rêve d'avoir dans son effectif. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur Ronaldo? Il a tout, la vitesse, la qualité de dribble, la puissance. Carvajal. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Isco. Les joueurs du Real qui vont devoir se montrer sérieux hein, face à ce type d'adversaire. Oui, en vrai, là, tous les pronostics le confirment. On devrait assister à un match serré. Et donc, je ne vais pas faire pronostic. Ça m'évitera de me gourer comme d'habitude. Touche pour Marcelo. Il donne sur l'aile vers Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Et ça revient sur Modric. Gareth Bale. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Carvajal. Luka Modric. Toni Kroos. Bale. Le Real Madrid qui s'approche du but. Attention, si ça rentre. Ouais, très très bonne défense. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. Voilà, pas très bien exécuté cette volée. Ouais, il a mal jugé la trajectoire. Forcément, ça ne pouvait pas donner grand-chose. Marcelo. Ah non, le ballon est perdu. Karim Benzema. Toni Kroos. Marcelo. Toni Kroos qui va mettre un terme à cette action. Modric. Luka Modric, Isco, il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Luka Modric, il redonne à Cristiano Ronaldo. Oh, ce sera penalty! Oh, penalty! Oh, le penalty indiscutable! Penalty et en plus un petit avertissement au passage pour le fautif. L'arbitre applique le règlement à la lettre sur cette action. On ne s'est pas posé de questions sur ce penalty. Avec ce ralenti, on va mieux voir comment il trompe le gardien. Ouais, le gardien qui doit s'incliner sur ce penalty. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Luka Modric. Sergio Ramos. Benzema. Ah, c'est Kroos qui se trouve là pour récupérer ce ballon. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Isco. Ah, la passe aérienne pour Benzema. Raphaël Varane. Kroos. Ah, il est un petit peu pris là quand même. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Gareth Bale. La passe est interceptée. Benzema. Gareth Bale. Ouais. La balle pour égaliser. Oh, il la manque! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas bien de louper des occasions comme ça, surtout à ce moment du match. Sergio Ramos. Marcelo. L'arbitre. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton? Raphaël Varane. Carvajal.
Ça part bien, action dangereuse. Casemiro. Karim Benzema. Ouais, il a bien repris, in extremis. Bale. Isco. Cristiano Ronaldo. Toni Kroos. Modric. Allez, peut-être une bonne occasion. On a été sur la trajectoire Casemiro, il a récupéré. Le duel avec le gardien maintenant. La position de hors-jeu pour Karim Benzema. Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques de Cristiano Ronaldo. Ah, le bon ballon de Benzema. La frappe. Oh, c'est juste à côté. Ah, mais on va, le défenseur est bien revenu. Je suis obligé, le tireur a précipité son geste. Sergio Ramos. Marcelo. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Marcelo. Toni Kroos. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Marcelo. Et on repasse par Modric. Carvajal. Kroos. Luka Modric. On s'approche de la zone de vérité. Le tir. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Ouais, faute, l'arbitre estime que le joueur madrilène a commis une faute. Marcelo. Carvajal. Casemiro. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Toni Kroos. Ah, la bonne qualité de ses passes. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Cristiano Ronaldo est au second poteau. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. On a vécu une première période assez terne en ce qui concerne le contenu, la manière hein, dans ce match. On va toujours... Allez, c'est parti, la seconde période de ce match ici à Santiago Bernabéu. Il continue mal au pied, Ronaldo. Benzema. Karim Benzema qui, au fur et à mesure de sa carrière, continue quand même de s'améliorer. C'est vrai qu'il a énormément progressé, c'est sûr que disputer la C1 tous les ans, ça aide. Mais il a su faire les efforts pour hisser son niveau de jeu. Il m'impressionne tous les ans en faisant preuve de régularité dans ses performances. Il n'y a personne pour gêner Asensio. C'est Olivier en touche. Cristiano. Marcelo. Marco Asensio.
Ouais, impeccable ce tacle. Ce sera une touche. Raphaël Varane. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Marcelo. Luka Modric. Modric. Il paye pas de mine, hein. Il ressemble pas grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Très grand, un équipe 34, c'est pas si fou. Allez, faute, oui, faute et coup franc, ça peut être dangereux. Ah, il en tient des dizaines et des dizaines à l'entraînement des coups francs. Et bien, il faut bien que ça porte ses fruits. Le joueur du Real qui vient tromper le gardien. Ça a l'air facile. Donc Cristiano Ronaldo marque un coup franc comme celui-ci. Mais il y a quand même des heures d'entraînement avant d'atteindre un tel niveau, une telle maîtrise. Oh, quelle frappe! Quelle frappe! L'entraîneur décide de faire rentrer deux joueurs simultanément, deux nouveaux joueurs en même temps. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Casemiro. Isco. Cristiano Ronaldo. Les 30 derniers mètres. Marco Asensio. Allez, le centre maintenant. Cristiano Ronaldo, au but! Ouais, bonne réaction des joueurs avec ce but. Ils savent qu'ils ont fait un grand pas vers le titre. Ouais, alors que la saison n'est même pas terminée, Hervé. On revoit ce but splendide, hein, Pierre. Ouais, c'est un régal, Hervé. Regarde le joueur, il ne quitte pas le ballon des yeux. Il sait depuis le début qu'il veut tenter ce geste. Après, l'équilibre est parfait au moment de la frappe. C'est le Real Madrid qui est donc mené au score. Ça part bien, action dangereuse. Ah, ça ne passe pas. La passe est interceptée. Benzema qui remporte son duel. Luka Modric. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Oh, c'est dangereux! Le gardien qui repousse, attention! Isco, du Real Madrid qui s'approche du but. Marcelo. Karim Benzema encore. Modric. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Isco. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, oui. Ah, ça, c'est un bon ballon. Ça, c'est un bon ballon pour Cristiano Ronaldo. Lucas Vázquez. Oh, le ballon au fond du filet. Et ils enfoncent le clou avec ce nouveau but. Je crois qu'on peut dire que, sauf catastrophe, ils vont être champions aujourd'hui. Ouais, après, avec qu'ils n'avaient besoin d'un petit point pour être sacré. Donc... En plus, là, les joueurs n'ont pas fait les choses à moitié. Et ça commence à devenir un petit peu inquiétant quand même, hein, pour ce gardien. Ouais, je crois qu'il est touché sur le plan psychologique, c'est assez clair. L'anticipation de Cristiano Ronaldo qui a récupéré. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Real. Allez, il peut la mettre Isco. Et le duel remporté dans sa surface. Benzema. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Cristiano Ronaldo. Benzema. Ça pour Ramos. Keylor Navas.
Lucas Vázquez. Allez, belle inspiration avec cette talonnade. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Modric. Modric. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Luka Modric. Benzema. Il préfère repasser par Gareth Bale. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Allez, qui va reprendre ce ballon. Marco Asensio. Cristiano Ronaldo. Ah non, c'est trop fort, bien trop fort. Vázquez, attention. Oh, ça frôle le cadre. Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. En position avec son corps pour protéger la balle. Avec une telle avance, je ne vois pas comment les joueurs pourraient être privés du titre de champion aujourd'hui. Ah, ils ont tué le suspense dans ce match. Contré. Ouais, ça pousse bien. La frappe. Et l'arrêt de Keylor Navas. C'est bien joué. Corner pour le Real Madrid. Il est bien parti, ce corner de Toni Kroos. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Marco Asensio. Marcelo. Il avait senti le coup, Toni Kroos, il était sur la trajectoire. Les 6 dernières minutes du temps réglementaire. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Rafael Varane. Isco. Isco. Benzema. Attention, ça peut être dangereux. Marcelo. Lucas Vázquez. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et a trouvé son partenaire sur cette talonnade. Marcelo. Modric. Non, elle est interceptée cette passe. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. La passe est interceptée. Vázquez, attention. Ah, le ballon qui est parti dans les tribunes. Ah, je pense que l'arbitre a hésité là, pendant assez longtemps. Hein. Ah, finalement, c'est un jaune. Il résiste bien, hein. Bien campé pour protéger son ballon. Isco. Bale. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Alors, ils vont pouvoir brandir le trophée dans quelques minutes. Ils arrivent 1-1 dans le rond central où a été installé une sorte de podium. Parfois, c'est dans les tribunes et parfois, c'est au milieu du terrain, comme ça. Au moins, on voit mieux. Là. Ça dépend des stades. On sent que les joueurs sont quand même assez calmes hein, pour une remise de trophée. Bah, c'est pas non plus la Coupe du Monde. Hein. C'est vrai. Alors, ils vont pouvoir malgré tout fêter ça avec... leurs supporters, ça reste une ligne au palmarès hein, et on sent que les supporters sont quand même contents hein, de cette victoire, de ce titre. Ils sont tous ensemble. C'est aussi un moment de communion collective hein, quand même. Hein. Ouais, mais enfin, ils ne se le racontent pas quand même. Hein. Ça reste très très mesuré tout ça. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire. Oh, le pénalty indiscutable!
pénalty. Et en plus, on ne s'est pas posé de questions sur ce pénalty. Il en tient des dizaines et des dizaines à l'entraînement des coups francs. Et bien, il faut bien que ça porte ses fruits. Allez, le centre maintenant. Cristiano Ronaldo. Attends, ça c'est un bon ballon. Ça c'est un bon ballon pour Cristiano Ronaldo. Lucas Vázquez. Ça pousse bien la frappe.